igår klockan 11.09 som polisen larmades om att två kvinnor hade blivit knivskurna vid Tråddragargatan i Västerås. Personerna som knivskars fick föras till sjukhus och en av kvinnorna som är i 30-årsåldern har avlidit till följd av sina skador. Mötet mellan offer och gärningsman skedde på ett utredningshem där ett övervakat umgänge mellan den avlidna kvinnan och ett av barnen skulle ske. On a sonné à ma porte, je suis allée ouvrir. Deux hommes se tenaient là, l'air grave. Ils ont dit qu'ils étaient de la police. L'un d'eux a dit « Il s'est produit quelque chose de terrible. » Le couteau à pain est rentré si loin qu'il est ressorti de l'autre côté. Il y a eu 31 coups de couteau, si je me souviens bien. C'est lui qui l'a tué, mais c'est l'État qui lui a dit de le faire. C'est comme si on lui avait donné l'autorisation de la tuer. C'est le pire cas que j'ai eu à couvrir. Ce n'est pas quelque chose qui est censé arriver en Suède. Je pense que lorsqu'il s'agit de protéger le modèle suédois, tout est possible. Le 11 juillet 2013, Eva-Marie Kullander-Smith a été assassinée par son ancien compagnon, Yoel Kabagambe, dans les locaux des services sociaux de Västerås. L'histoire que nous allons vous raconter a été présentée en Suède comme un simple fait divers. En réalité, elle nous plonge dans un univers aux allures de meilleur des mondes, où il arrive à l'État d'avoir du sang sur les mains. Eva-Marie est morte. Ça, je le sais. Mais pour le moment, je ne peux pas le concevoir. Et je ne sais pas quand j'en serai capable. Parce que dans ma tête, elle est juste partie en vacances. Je ne peux pas me faire à l'idée qu'elle soit vraiment morte. Il m'a fallu 2 ans et demi pour me décider à venir apporter la croix ici. Mon Dieu, je vais jamais y arriver. Il faut du temps. Tout prend du temps.
Il y a 3 ans, la vie de Zenita et Ulf s'est arrêtée. Après l'assassinat d'Eva-Marie, ils ont décidé de quitter la ville et de partir vivre isolés, loin de tout. Depuis, ils se battent pour que l'histoire de leur fille ne tombe pas dans l'oubli. Celui-ci date du 13 juillet 2013. Ça raconte comment Eva-Marie a été poignardée. Ici, par exemple, c'est écrit « Il va me tuer sans crier gare ». C'est une des correspondances que j'ai fournies dans laquelle elle décrivait ce qu'il allait faire. C'est troublant parce que c'est arrivé comme elle l'avait prédit. Relire tout ça me fait réaliser à quel point elle devait être effrayée, terrorisée. Celui-ci dit qu'elle a été assassinée avec rage. C'est quoi cette image ? C'est le couteau. Je ne veux pas le voir. Et la cuisine où il a pris le couteau. Le cauchemar commence en 2009. Eva-Marie, jeune mère d'une petite fille de 8 mois, est enceinte pour la seconde fois. Depuis l'annonce de sa grossesse, elle s'inquiète de la violence de son compagnon, Yoel, dont les manifestations sont de plus en plus rapprochées. Elle sollicite l'aide des services sociaux qui l'encouragent à le quitter, mais très rapidement, ses ressources financières se révèlent insuffisantes. Quelques mois après la naissance de son deuxième enfant, elle décide de travailler comme escort girl à Stockholm, et exerce sous le pseudonyme Jasmine Petite, un nom qui lui collera à la peau jusqu'à sa mort. Så att socialtjänsten var jätteoroliga, jag kan inte ta hand om mig själv, så hur ska jag kunna ta hand om barnen? Det är så synen funkar i Sverige. Så de omhändertog barnen och jag tyckte att det här kan ju inte stämma. Så social services just... Les services sociaux, accompagnés par la police, ont débarqué dans l'appartement d'Eva-Marie. Ils lui ont pris les enfants des bras, sans aucune explication ni rien. Et ils ont décidé de placer les enfants chez Yoel. Ils n'ont pas dit à Eva-Marie pourquoi ils lui prenaient ses enfants, jusqu'à ce que quelques jours plus tard, ils la convoquent dans les bureaux des services sociaux. Il l'enferme dans une pièce avec les enfants, juste pour lui dire « Vous ne reverrez jamais vos enfants ». J'ai vu les enfants pleurer quand ils ont été emmenés. J'ai tout vu de mon balcon quand ils sont venus les prendre. Elle aimait ses enfants plus que tout. Elle était très douce, très joyeuse. Elle chahutait avec eux. Pour moi, il est impossible qu'elle ait pu faire du mal aux enfants. Jamais. Étant donné que je suis formée en psychologie de l'enfant, je l'aurais remarqué.
J'ai dit à Eva-Marie que les services sociaux pouvaient venir me voir. Mais ils ne l'ont pas fait. En Suède, pays de l'enfant roi par excellence, les services sociaux ont la réputation d'être tout-puissants. Rasia est une amie d'Eva-Marie, et elle a bien failli connaître un destin similaire. Cette histoire peut paraître étrange, mais elle n'est pas rare en Suède, car les travailleurs sociaux peuvent faire pratiquement tout ce qu'ils veulent. Je peux vous parler de ma propre expérience. J'ai deux enfants et le plus jeune fait de l'eczéma. Et un lundi, j'ai reçu un coup de fil au travail. C'était la police. Qui me dit que les enfants seront retirés de l'école et de la garderie car ils me soupçonnent de maltraitance. Je leur ai demandé « Excusez-moi, mais pourquoi vous faites ça ?» Eh bien, cette marque sur l'enfant, on dirait qu'il a été frappé. Alors j'ai répondu « Pourquoi n'avez-vous pas simplement appelé la famille ou la crèche ? Non, c'est ainsi que l'on procède. Ça fonctionne comme ça ici. Ils prennent les enfants et ils posent les questions après, si toutefois ils les posent. C'est ce qui est effrayant dans ce pays. On peut perdre ses enfants sans aucune raison. Et c'est précisément ce qui est arrivé à Eva-Marie. Si Rasia a pu s'en sortir, c'est parce qu'il lui a été possible de négocier avec les services sociaux, ce qu'Eva-Marie ne pourra jamais faire. Pourtant, dès le retrait de la garde de ses enfants, elle s'était engagée à cesser immédiatement son activité d'escort girl. Au final, son expérience dans la prostitution n'aura duré que 2 semaines. Mais le mal est fait. Eva-Marie est déjà marquée au fer rouge. Il était impossible de dialoguer avec les services sociaux. Et cela nous a empêchés d'envisager toute solution à l'amiable. Eva-Marie souhaitait échanger avec eux, mais cela ne les intéressait pas. La travailleuse sociale qui s'occupait de son cas ne supportait pas qu'elle ait vendu son corps et qu'elle l'assume. La femme des services sociaux qui menait l'enquête sur Eva-Marie était obsédée par le fait qu'Eva-Marie avait été travailleuse du sexe. Dès le début, elle aperçut Eva-Marie comme une ennemie de la société. Et du coup, elle l'a persécutée. Elle s'était fixée comme mission de la détruire. Je pense vraiment qu'elle essayait de la détruire. Juste parce qu'elle avait été travailleuse du sexe. Pour bien comprendre l'histoire d'Eva-Marie, il faut la replacer dans son contexte culturel et juridique. La Suède est considérée comme un des pays pionniers en termes de révolution des mœurs. Du début des années 50 jusqu'à la fin des années 70, elle a fait de la Scandinavie le symbole de la libération sexuelle. Pourtant, dans les années 80, cette libération a observé un tournant conservateur. Les revendications d'émancipation des organisations féministes se sont vues brutalement détournées au profit de mesures liberticides. Au nom des droits des femmes, la Suède s'est jurée d'éradiquer toute forme de travail du sexe. En 1999,
elle est devenue le premier pays au monde à adopter une loi de criminalisation des clients. Depuis, ils encourent une amende et jusqu'à 6 mois de prison. En réalité, aucun client n'a jamais été incarcéré, alors que la situation des prostituées n'a cessé de se dégrader. Officiellement, leur activité n'est plus illégale. Elles ne sont plus considérées comme des délinquantes. Mais la réalité se révèle autrement plus pernicieuse. La loi les considère comme des victimes de violences sexuelles, et ce, qu'elles se reconnaissent comme telles ou non. La parole de celles qui revendiquent exercer de leur plein gré est systématiquement décrédibilisée. Et tout est mis en œuvre pour les obliger à quitter la prostitution, jusqu'à prendre leurs enfants en otage, si rien ne venait à les convaincre. On persécute ces personnes sauf si elles acceptent le schéma préconçu selon lequel elles agiraient sous la contrainte, ou seraient victimes de trafic, ou alors si elles acceptent d'être considérées comme des âmes perdues qui ont besoin de traitements psychiatriques et qui font ça uniquement parce que ce sont des malades mentales. Cette loi est une loi typiquement paternaliste qui prétend protéger les femmes, qui cherche à protéger la sexualité des femmes, qui veut contrôler la sexualité des femmes. En théorie, les femmes ne peuvent pas s'intéresser au sexe. Seuls les hommes le peuvent. C'est pour ça que les gens ont généralement moins de problèmes concernant les hommes qui se prostituent. Pour moi, ce n'est jamais qu'une bonne vieille mesure patriarcale pour dénigrer les femmes et leur sexualité. Au final, cela revient à cette idée. Et je trouve très amusant que ceux qui maintiennent cette structure patriarcale se revendiquent féministes. Det var väl första gången som jag mötte någon som faktiskt inte försökte rädda mig, som inte var fördomsfull, som kunde tåla att jag hade sålt sex och att det inte var så att jag mådde dåligt utav det, att jag inte hade gjort det på ett skadligt sätt. Rosalliance est une association qui se bat pour les droits des travailleurs du sexe. Sa fondatrice, Pio Jacobson, est la première personne qu'Eva Marie a rencontrée. Elle lui apportera son soutien tout au long de cette affaire. Je me rappelle que la première fois où nous nous sommes rencontrés, c'était dans un pub au sud de Stockholm. C'était très touchant. C'était la première fois qu'elle rencontrait une autre travailleuse du sexe, qu'elle s'asseyait pour discuter de ça. Ce qui est bien sûr très particulier, car on se sent très seul dans une telle situation. Quand des choses comme ça arrivent, on a honte, même si on n'a rien fait de mal. Mais l'État suédois est très doué pour vous faire culpabiliser. C'est leur façon de faire. Ils vous disent, vous devriez avoir honte et changer. À ce moment-là, elle avait encore de l'espoir, car elle n'avait pas vraiment compris à quel point le système est corrompu. Et qu'en tant que travailleuse du sexe, elle avait très peu de chances de combattre le système. Elle gardait une forme d'espoir, vous savez, qui est inhérente à chaque Suédois. Cette idée que la Suède est le pays le plus démocratique du monde, le meilleur pays du monde, le pays le plus égalitaire du monde, toutes ces conneries qu'on nous assène en permanence, c'est quelque chose qu'on nous martèle dès le plus jeune âge. Et ça fait partie du système éducatif. Donc, elle y croyait toujours. Elle n'avait pas encore pris conscience du peu de pouvoir qu'elle avait. Däremot så möter jag socialarbetare, jurister. Jag har varit i rättegång flera gånger för att få tillbaka mina barn eftersom att de svenska staten omhändertog mina barn på grund av att jag sålde sex. Och där är det ju en väldigt bestämd uppfattning om vad jag är för person och vad för liv jag lever och hur jag mår och vad jag är kapabel till.
Och det är väldigt svårt att debattera med dem för att de är ju experterna. Tycker de själva i alla fall. Vous pouvez perdre votre maison, votre foyer, votre boulot, vos enfants. Vous pouvez tout perdre. Car la loi vous rattrapera. Et si vous vous exposez, si vous attirez l'attention, alors vous serez réprimé. Car vous n'êtes pas autorisé à parler. Vous l'êtes en théorie. Mais si vous parlez, vous êtes puni pour cela. C'est ce qui est arrivé à Eva Marie. Elle ne s'est pas repentie, elle n'a pas dit « Je suis désolée, j'ai péché, pardonnez-moi ». Non, elle a dit « Voilà ce que j'ai fait, j'assume, tout va bien, je ne me prostitue plus. Mais pourquoi devrais-je le renier ?» C'était très choquant pour les services sociaux qu'elle ne se repente pas. C'est pour ça qu'ils lui ont retiré ses enfants. C'est moi qui ai contacté les services sociaux en premier. Parce que je n'avais jamais imaginé qu'ils ne me laisseraient pas voir mes petits-enfants. Ils m'ont promis que j'allais avoir un rendez-vous pour rendre visite aux enfants. Et je les ai appelés une fois par mois. Jusqu'en juin ou juillet 2014, jusqu'à ce que la travailleuse sociale me dise sans détour, nous avons décidé que les enfants n'avaient pas besoin de vous dans leur vie. Et elle a raccroché. Je veux les voir plus que tout au monde. Et leur dire combien je les aime. Leur parler de leur mère, leur dire combien elle les aimait. Puisque j'étais sa mère, j'étais moi aussi coupable. Par conséquent, je suis aussi une mauvaise personne. C'est la raison pour laquelle je ne peux même pas les rencontrer, même pas les voir. Les services sociaux imaginaient sans doute que le cas d'une prostituée ne s'ébruiterait pas. Mais ils découvrent qu'Eva Marie, appuyée par le milieu militant et par son avocat, réclame une comparution devant un juge. Cela fait 6 mois qu'on lui a retiré ses enfants et aucun droit de visite ne lui est accordé. Pourtant, rien dans l'enquête des services sociaux ne justifie une telle mise à distance. Tout tend à prouver le caractère abusif de cette affaire. Mais il est déjà trop tard. Nous sommes arrivés à un recours auprès du tribunal de première instance qui devait examiner à qui les enfants allaient finalement être confiés. Nous avons listé les erreurs qui ont mené au retrait de la garde de ces enfants. Même le juge a reconnu que la décision de placement n'était pas justifiée. C'est dit dans le premier jugement. Mais il existe un principe de continuité. Les enfants s'habituent à vivre chez l'un des parents, et à ce stade, les enfants avaient vécu longtemps chez leur père avant le recours. Dans de tels cas, on ne peut pas déplacer les enfants. C'est une épreuve pour eux. Mais il a tout de même été décidé d'un droit de visite pour Eva Marie. Et le tribunal a prévenu le père. Vous n'avez pas le droit d'empêcher les enfants d'être en contact avec leur mère. Sinon, le tribunal peut réexaminer sa décision et être amené à placer les enfants chez leur mère. Malgré la décision du juge, Yoel empêchera Eva Marie de recréer du lien avec ses enfants durant près de 3 années.
La veille de chaque visite, il décommandera systématiquement. Eva Marie et son avocat ne cesseront d'en alerter les services sociaux qui ne s'en inquiéteront jamais. Jusqu'au bout, ils persisteront dans l'erreur et cautionneront indirectement l'attitude de Yoel. Je ne crois même pas que c'était la garde des enfants qui l'intéressait. Il voulait uniquement les utiliser pour faire du mal à Eva Marie. C'était la seule manière de la blesser à ce point. Et il le savait très bien. Pour Yoel, elle était sa possession et elle l'avait plaquée. Et découvrir que sa possession avait vendu son corps pour gagner de l'argent était quelque chose de totalement inacceptable. Donc pour la punir, il a pris les enfants et il a fait en sorte que sa vie devienne un enfer. Un jour, il l'a appelée, elle me l'a raconté tout de suite après, pour lui dire qu'il avait noté tous les numéros d'immatriculation des voitures garées dans son quartier, car dans sa tête, il pensait que c'était tous des clients. Si vous savez ce qu'est le harcèlement psychologique, il était clair qu'il s'agissait de ça. Tout ce qu'il voulait, c'était la détruire, et il se servait des enfants pour y parvenir. C'était tellement évident. Et honnêtement, je ne sais même pas s'il en avait quelque chose à foutre de ses enfants. Pour lui, c'était un moyen de l'atteindre, car c'était la petite salope qu'il avait quittée. Et Yoel a très bien joué la comédie, dans le rôle du père bienveillant qui s'inquiétait pour Eva Marie et ce qu'elle faisait. Les services sociaux ont tout gobé, parce qu'évidemment, ils pensaient que tout valait mieux qu'une prostituée. Eva Marie sait que Yoel peut être dangereux. En 2010, il avait été inquiété par la justice pour avoir agressé une travailleuse sociale avec une poêle à frire. En 2011, il avait été poursuivi pour menace envers un représentant de l'État. Avant même leur séparation, Eva Marie s'était plainte de violences conjugales et s'inquiétait de sa consommation de drogue. Malgré ses craintes, et dans un ultime espoir de récupérer ses enfants, elle décide de l'affronter devant un tribunal populaire. Mais Yoel, qui a toujours été soutenu par les institutions, se sent tout-puissant et se montre sous son vrai visage. Le procès était tellement bizarre. Et je me souviens qu'on s'est regardé, Yari et moi, et on s'est demandé « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» C'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que le père était déséquilibré. Il faisait presque peur. Il voulait connaître l'identité de tous les jurés. Il a exigé de savoir leur nom. Il a présenté un comportement menaçant. C'était vraiment un premier avertissement. Donc, il a menacé un membre du tribunal, et ça non plus, visiblement, ça ne leur posait pas de problème. Ils n'ont pas réagi. Il était fou. Enfin, il avait l'air fou au tribunal. Nous étions tellement convaincus qu'elle récupérerait les enfants, parce qu'il se comportait comme un dément, et elle se comportait comme une personne responsable et saine d'esprit. Et non, ça n'a pas compté non plus. Dans un contexte culturel où on considère qu'il vaut mieux confier des enfants à un homme violent qu'à une prostituée, toutes les tentatives d'Eva Marie se soldent systématiquement par des échecs. De la négociation avec les services sociaux jusqu'à l'arrêt de la prostitution, en passant par le recours devant un tribunal populaire, rien ne fonctionne. Toute sa vie, il lui faudra payer d'avoir couché avec 5 clients, comme si le prix n'était déjà pas assez fort. À croire que la stigmatisation se transmet de mère en fille et de fille en mère, Zenita se heurte aujourd'hui au même mépris de la part des institutions. Depuis plusieurs années, elle ne cesse de supplier les services sociaux de lui accorder un droit de visite, mais ses courriers demeurent systématiquement sans réponse et personne ne daigne la recevoir.
On va voir ce qu'on peut faire concernant le droit de visite de vos petits-enfants. Ils ont quel âge maintenant? Ils doivent être grands? Ils vont avoir 8 et 9 ans. Est-ce que vous avez déjà pu les rencontrer? Non. Pourtant, on nous l'avait promis plusieurs fois. Ce sont les services sociaux de Westeros qui ont tout pouvoir. Vous êtes relativement impuissant. Peut-être que les services sociaux ont peur que je veuille mettre la main sur les enfants. Alors que je souhaite simplement les rencontrer, comme n'importe quelle grand-mère. Il serait risqué de spéculer sur leur raisonnement. C'est pour cela qu'il faudrait les rencontrer. Mais puisqu'ils refusent, je vais finir par rester devant leur porte avec une pancarte. Sérieusement, c'est désespérant d'être ignoré à ce point. Ce sont tous les papiers d'Eva Marie. Du moment où ils ont emmené les enfants jusqu'au meurtre, toutes les enquêtes. Si on les examine de près, il y a toutes les preuves de leur acharnement contre Eva Marie. Quand j'ai récupéré tous ces papiers et qu'ils ont su que je les avais, ils ont commencé à utiliser les enfants pour faire en quelque sorte du chantage. Je ne trouve pas d'autre mot. Si je restais tranquille et ne parlais à personne de ces papiers, je pouvais voir les enfants. Je ne suis pas restée tranquille, donc je n'ai pas le droit de les voir. Face aux puissantes institutions, des individus comme Zenita et Ulf ne représentent rien et leur voix ne porte pas assez haut pour être entendue. Pourtant, ils ne sont pas seuls. Entre 2010 et 2011, une vingtaine d'autres familles ont porté plainte contre les services sociaux de Westeros et la directrice a été discrètement démise de ses fonctions. Malgré cela, la plupart de ces dossiers ne seront jamais révisés. Même si la partie est perdue pour Eva Marie, l'idée que d'autres femmes comme elle puissent subir la même injustice l'insupporte. Elle décide de conserver son nom de prostituée, Jasmine Petite, et milite contre la stigmatisation des travailleurs du sexe. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être ici. Je voudrais vous parler d'un sujet qui me tracasse depuis au moins 10 ans. Je suis sur le terrain depuis 20 ans et ce qui m'a toujours interpellée, c'est la façon dont on parle de la prostitution. La première fois que j'ai été en contact avec Eva Marie, c'était en novembre 2010. Elle m'a envoyé un mail disant qu'elle appréciait mon travail. Je ne l'ai rencontrée qu'une ou deux fois, dont une où elle participait à une conférence sur les lois et le travail du sexe. Mais elle devait rester anonyme. Donc elle s'est assise dans le public et elle a répondu à quelques questions. Jasmine, nous avons parlé un peu de ce que tu as été.
Det största problemet är egentligen inte heller lagen utan det är stigmatiseringen och det den här sexköpslagen gör är att förstärka stigmatiseringen och under de villkor som hon själv mår bra och som det är just nu så är det inte tryggt att sälja sex som det skulle kunna vara om det fanns arbetsrättsliga villkor. When she was speaking in front of the Quand elle parlait devant le public de la commission, je pensais que si quelqu'un pouvait changer la manière dont sont perçus les travailleurs du sexe en Suède, c'était elle. Elle était jeune, elle était nouvelle dans le milieu militant et elle avait cette fragilité autour de sa personne. Il était impossible de ne pas l'aimer. Même le plus fervent partisan d'une politique répressive ne pouvait que l'apprécier. Eva Marie devient non seulement une des figures de proue du syndicat Rose Alliance, mais elle adhère également au Parti du Centre, seul parti en Suède prêt à débattre des questions de genre et de sexualité. Eva Marie n'avait pas de statut officiel au sein du parti, mais elle en était membre, et nous l'avons invitée plusieurs fois à intervenir ici, à l'hôtel de ville. Elle était chaleureuse, mais surtout elle était très courageuse. Parce que ce genre de sujet n'était pas dans l'agenda politique à l'époque en Suède. Elle faisait entendre sa voix en faveur des travailleurs du sexe, par exemple. Mais elle abordait aussi des points importants sur la sexualité en général. C'était ce qui lui permettait de rester debout. C'était cette énergie de se battre, car elle pensait, même si je ne le fais pas pour moi, je le fais pour d'autres travailleurs du sexe qui pourraient rencontrer les mêmes problèmes à l'avenir. Ça lui donnait l'énergie de persévérer, même s'il n'y avait plus aucun espoir pour elle. Många gånger när man pratar om att det jag tycker är viktigast är att kvinnor, att människor som jobbar med sex ska bli accepterade och ha en självklar plats i samhället som alla andra. Så är det många som säger att men en prostituerad kommer aldrig någonsin bli respekterad i samhället. Men det var inte så länge sedan han sa samma sak om kvinnor som har barn utanför äktenskapet, om homosexuella, om transsexuella. I princip alla människor som var utanför den här lilla, lilla ramen som är okej. Och jag tror att skulle alla anstränga sig för att sätta upp den här... Att förhindra diskriminering som vi har gjort med andra marginaliserade grupper så kommer det gå väldigt fort. Det har gått väldigt fort för andra grupper och det tror jag på. La Suède se revendique comme modèle dans le monde entier. On prétend que les inégalités, que le sexisme y sont inexistants, que la criminalité est au plus bas et que la prostitution n'existe plus. Dans cette carte postale d'un monde parfait, le militantisme d'Eva Marie n'a pas sa place. Tous les opposants au modèle suédois prennent le risque d'être marginalisés. En Suède, le débat est homogène et ne défend que l'idée suivante. La loi sur le commerce du sexe est une réussite, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Quant au Parlement, il a été proposé un durcissement des peines. J'étais le seul député à m'y opposer, le seul à voter contre. Pendant le débat, personne n'a répliqué. On rigolait de mon discours. Mais après, les gens sont venus me dire « Tu as raison, Frédéric, mais je ne veux pas m'exprimer en public. Ce n'est pas bon pour ma carrière. Dans le fond, tu as raison, mais il faut que tu comprennes. Ici, l'important, c'est d'œuvrer pour le bien du parti. » Här är det viktigt att man gör någonting annat för partiets skull till exempel. I think everybody who tried to Quiconque tient un discours différent sur le travail du sexe sera discrédité, sera attaqué, sera vilipendé, sera fiché. C'est ainsi que fonctionne la croisade morale. The moral crusade works. Vous savez, c'est dur quand des gens à l'université ou des collaborateurs écrivent que je suis une escroc, que je suis une imposture ou que je suis rémunérée par l'industrie du sexe. On a dit toutes sortes de choses sur moi, que je suis devenue folle car ma mère a été assassinée,
que j'ai un donjon SM dans ma cave où j'attire les jeunes femmes pour les initier et les fouetter. On a même dit qu'avant j'étais un homme et qu'en réalité je suis transgenre. Donc il y a toutes sortes de rumeurs et de diffamations. C'est comme dans n'importe quel régime totalitaire, vraiment. Depuis la mise en application de la loi, l'État propose des thérapies de rééducation pour les prostituées qui refusent de se reconnaître comme victimes, mais également pour les clients désormais considérés comme des criminels sexuels. Bonjour et merci d'être venu. Si tu veux bien, on va commencer à parler un peu de ton problème. D'après ce que j'ai compris, tu as acheté du sexe. Tu regardes trop de porno et c'est devenu un problème. Tu as été arrêté par la police et tu as eu une amende. Est-ce que tu as peur que ton employeur découvre ce que tu as fait? Ou bien ta femme? Si ta femme découvre ce que tu as fait, il faut que nous puissions la soutenir aussi pour qu'elle vienne nous parler et régler la situation de crise. Je ne pense pas que les Suédois soient les seuls à avoir un problème. Je pense que ce sont les hommes du monde entier qui ont un problème, mais c'est difficile à accepter. Et pour être honnête, je pense que les Français aussi ont besoin d'aide. Malgré les nombreuses mises en garde des organisations humanitaires telles qu'Amnesty International ou Médecins du Monde, la politique abolitionniste suédoise est encensée dans le monde entier. Elle a servi de modèle à d'autres pays qui ont adopté des lois similaires, telles que l'Islande et la Norvège en 2009, le Canada en 2014, l'Irlande du Nord en 2015 et la France en 2016. Nous constatons maintenant que d'autres pays commencent à adopter des lois similaires et nous trouvons ça bien. Je pense que c'est important d'expliquer notre législation aux autres pays et les principes qui sont derrière, comme l'égalité, les droits de l'homme. Il faut leur faire comprendre que ce n'est pas acceptable d'acheter le corps d'une autre personne et de commettre des abus sexuels. La Suède est étrange. Elle ne dit pas seulement à ses citoyens comment vivre leur vie, elle aime aussi dicter au reste du monde comment se comporter. Et nous avons plusieurs modèles suédois sur la consommation de drogue, sur le travail du sexe, sur l'État-providence. Quand on préparait la loi dès 1993, l'un des buts était de l'exporter. C'est ainsi que fonctionne la Suède. Quand nous avons rejoint l'Union européenne, un de nos arguments était que nous allions devenir la conscience morale de l'Europe. Au-delà des postures purement déclamatoires et des discours droits de l'hommiste, la morale demeure encore au-dessus de tout. L'histoire d'Eva-Marie nous prouve qu'encore aujourd'hui en Suède, sous prétexte de lutte contre les violences faites aux femmes, on ne peut être mère et putain à la fois. Alors, mon grand. Attends. Tu es une fille ou un garçon? T'es une fille. T'es une grosse mémère. Elle était mon premier enfant, ma meilleure amie. Elle n'était pas très grande,
Elle mesurait 1m58 et pesait 45 kilos. Mais quel cœur! C'est difficile de décrire Eva Marie. Elle était si bienveillante. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Dans un foyer appartenant aux services sociaux. En juillet 2013, les services sociaux se décident enfin à organiser un rendez-vous entre Eva Marie et son fils Ludwig. Cela fait déjà plus de 3 ans qu'on lui a retiré. Les retrouvailles doivent se dérouler sous la surveillance de Yoel, malgré les multiples alertes concernant son comportement menaçant. À peine a-t-elle le temps d'adresser quelques mots à son fils qu'une dispute éclate. Yoel frappe Eva Marie sous le regard médusé des travailleuses sociales qui tentent de les séparer. Elles enferment Yoel dans la cuisine pour qu'il se calme. Au lieu de cela, il y choisira un couteau. On venait de rentrer à la maison. Quand soudain, on a entendu des cris dehors. Quand je suis arrivée dans le jardin, mon compagnon a appelé les urgences. Et j'ai couru vers la femme qui était à terre. Il m'a semblé qu'il y avait d'autres personnes autour et qu'il y avait aussi un enfant à proximité. J'ai soulevé la femme et je l'ai regardée dans les yeux. Il me semble qu'il y a eu un contact. Et là, je lui ai dit, « Je reste avec vous jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. On va vous aider. » Quand l'ambulance est arrivée, j'ai crié qu'on la perdait. J'ai baissé le regard vers elle et elle a expiré. Comme ça. Et j'ai compris que c'était la fin. Alors je me suis levée et j'ai monté les escaliers. J'ai cherché l'enfant et je l'ai trouvé caché avec une employée dans une pièce. Je me suis assise pour essayer de jouer avec l'enfant. J'avais l'impression qu'il fallait se comporter comme d'habitude. Jouer, par exemple. Alors j'ai pris une petite voiture pour la faire rouler. Et j'ai regardé mes mains. Elles étaient pleines de sang. Il était complètement fou. Je n'ai jamais vu une personne aussi furieuse. Jamais. D'ailleurs, j'y ai beaucoup repensé. Comment peut-on se mettre dans cet état? Il doit y avoir derrière beaucoup de colère, de la jalousie, une fureur qu'on ne peut pas comprendre. Mais après, quand c'était fini, quand il a réalisé ce qu'il avait fait, d'ailleurs je pense qu'il savait ce qu'il faisait. Il a lâché le couteau et a appelé la police lui-même. Hej. Hej. Jag är nyss. Mamman till mina barn attackerade min son framför mig. Och det har hänt en knivhuggning. Polisen, kom här, jag väntar på er. Jag har inga vapen på mig. Nej. Ingenting, så ni kan komma nu på en gång. Men du, det är inte jag som kommer, så du ska få prata med polisen. Säg till polisen, jag har inga vapen. Nej. Jag har ingen vapen på mig. På ingenting. Mig lyssna ja. På mig. Du får nej, jag vill inte att de ska skjuta mig. Quand je suis arrivée sur place, je ne savais pas vraiment ce qu'il s'était passé. Et puis,
On a vu le couteau par terre. C'était assez horrible. Excusez-moi. Quand j'étais là-bas, je n'étais pas aussi affectée, mais en y repensant, vous savez, quand vous êtes là pour le boulot, vous regardez à travers l'objectif. Mais en réalité, c'est très brutal. Il l'a tué sous les yeux de son fils. C'est le pire cas que j'ai eu à couvrir. En person avled och en fick allvarliga skador efter ett knivöverfall på ett behandlingshem i Västerås idag. En 31-årig man greps på platsen av polisen och är nu anhållen misstänkt för mord och mordförsök. Trois jours après l'assassinat d'Eva Marie, des rassemblements de travailleurs du sexe sont organisés dans le monde entier, comme ici à Londres. Eva Marie devient ainsi le symbole de l'échec du modèle suédois. Nous étions déjà allés aux pompes funèbres, une fois moi. Nous avions choisi le cercueil, l'urne. Nous avions commencé à organiser la cérémonie. Le fossoyeur m'a appelé le lendemain ou deux jours plus tard en me disant que les services sociaux de Westeros leur avaient demandé de stopper les funérailles. Il était choqué. Et ils l'ont rappelé trois ou quatre fois. J'ai téléphoné aux services sociaux en leur demandant « Pourquoi ?» Je n'ai eu aucune réponse de leur part. Quand tout à coup, ils m'ont appelé en prétextant « Nous allons payer pour l'enterrement ». C'est faux, car ils ont pris l'argent sur le compte des enfants pour payer les funérailles. Donc, les enfants ont payé pour ce que leur père a fait avec l'argent hérité de leur mère. Au moment des adieux, dans la chapelle, juste avant la cérémonie, quand on lui a dit au revoir et qu'elle était dans son cercueil, je lui ai dit que je ferais tout mon possible pour raconter son histoire et que justice soit faite pour elle et ses enfants.